nous avons discuté de comment installer un serveur local pour être en mesure de créer un site internet. Et nous avons aussi vu comment commencer à la création d'un site internet avec WordPress. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la vidéo. Et la vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce serait comment configurer votre site internet WordPress. Donc, je vais vous donner quelques étapes simples à suivre qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans la création des sites internet WordPress. Donc, avant de commencer, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les deux vidéos de la dernière fois, je vais vous laisser les liens en bas de cette vidéo. Et aussi, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas surtout à souscrire à ma chaîne YouTube, de telle sorte que lorsque je publie ce type de vidéo, si ça vous intéresse, vous aurez l'occasion de recevoir une notification. Donc, nous allons commencer. Donc, déjà, la première chose que nous allons faire, c'est ici, c'est aller dans le compte de WordPress, en fait, le site qu'on a eu à créer la semaine dernière. Donc, en fait, l'installation est très simple. Je pense que je vais vous laisser le lien en bas et vous allez voir comment installer WordPress. Donc, là, ici, il sera juste question de voir comment configurer. Donc, avant de faire la configuration, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous devez vous décider par rapport à ce que vous comptez faire exactement avec votre site internet. Donc, la première chose que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que vous voulez un site internet pour un blog? Est-ce que c'est pour une entreprise ou c'est une plateforme de commerce électronique? Donc, et tout ça va dépendre de la façon dont vous allez configurer votre site. Donc, prenons par exemple un cas simple. Si par exemple vous avez l'intention de créer un site internet WordPress pour le blog, donc ce que vous pouvez faire, c'est quoi? La première chose, c'est que bon, vous devez déjà, lorsque vous avez fini d'installer, par défaut, WordPress va installer un design qui s'appelle 2020. Donc, et si vous essayez de parcourir les différentes options, vous allez voir, en fait, c'est vraiment très facile à retrouver. Il suffit juste d'aller dans Apparence et vous allez voir le thème 2020 qui est installé. Donc, et une fois que vous avez installé, par défaut, vous allez aussi voir une page un peu similaire à celui-ci. Vous pouvez modifier si vous voulez, si vous souhaitez bien sûr utiliser le même thème. Non, mais par contre, si vous avez l'intention de changer de thème, vous avez aussi les options disponibles pour l'installation de nouveaux thèmes à partir de l'onglet thème. Vous pouvez tout simplement rechercher le thème qui vous intéresse. Je ne sais pas si par exemple vous voulez un thème pour la restauration. Il suffit de cliquer sur ajouter. Et quand vous cliquez sur ajouter, vous pouvez tout simplement cliquer sur chercher restaurant. Et on va vous suggérer les différents thèmes qui se rapportent au restaurant et vous pouvez tout simplement l'installer. C'est gratuit. Donc, bon, on va aller dans le vif du sujet au niveau de la configuration même de WordPress. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez le choix entre la création d'un blog, la création d'un site internet pour entreprise ou la création d'une plateforme de commerce électronique. Donc, si on commence par le blog, l'option qui s'offre à vous, c'est au niveau de la personnalisation du site. Donc, lorsque vous avez installé le WordPress, en principe, vous avez accès à cette barre d'outils. Donc, il suffit que vous cliquez sur personnaliser. Et si vous voulez configurer votre site internet comme blog, vous pouvez cliquer sur réglages et la page d'accueil. Et là, vous devez cliquer sur les derniers articles. Et quand vous cliquez sur les derniers articles, automatiquement, votre site internet sera comme un blog. Et si je clique sur publier, à chaque fois que vous allez publier un nouveau article, automatiquement, ça va être affiché au niveau de la page d'accueil. Donc là, je vais faire un exemple. Je vais créer un article test que je vais appeler. Donc, j'ai créé mon article test. J'appelle article test et je clique sur publier. Et lorsque je publie, si je vais à la page d'accueil, vous voyez, article test apparaît et ensuite l'article que va défaut qui est là. Donc ça veut dire là, c'est en fait la façon que vous devez procéder pour être en mesure de configurer votre site internet en tant que blog. Maintenant, s'il s'agit d'un site internet pour entreprise, donc pas les sites internet pour entreprise, on sous-entend que la page d'accueil, c'est généralement une page qui ne change pas beaucoup. Donc, c'est comme un élément statique. Et vous pouvez choisir une page comme étant une page de blog. Donc, toute la configuration se fait toujours au niveau de personnaliser. Il sera question de cliquer sur personnaliser aussi. Et cliquer sur réglage de la page d'accueil. Et sélectionner une page statique.
Et là, vous devez choisir la page d'accueil qui vous intéresse et sélectionner la page où vous aimeriez afficher tous vos articles. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Et lorsque vous cliquez sur publier, vous voyez que en fait, le design est différent. Parce que là, j'ai vraiment un design différent de l'autre. Et j'ai vraiment une page avec assez d'éléments. Et ici, j'ai une page aussi à propos qui peut s'afficher et j'ai la page de bloc. Donc, et vous voyez, en fait, la page d'accueil qui était dans le cas de bloc a été ramenée à l'onglet bloc. Et aussi, j'ai une page de contact. Donc, et autre chose que c'est vraiment très simple, vraiment la configuration de WordPress. Si vous prenez le temps d'aller, par exemple, au niveau de l'onglet personnalisé, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment tellement d'options qui s'offrent à vous. Par exemple, si vous voulez changer le logo, il suffira tout simplement de cliquer sur Identité du site et de sélectionner le logo que vous voulez afficher et cliquez sur sélectionner. Et là, je clique sur sélectionner. Et automatiquement, vous voyez là, le logo apparaît. Je peux changer aussi le slogan du site. Et je peux aussi changer la couleur si ça m'intéresse. Par exemple, si je veux une couleur totalement différente, je peux changer au niveau d'ici, qui sont ici. Et vous avez aussi les widgets, ce sont des petits codes. Et en fait, si vous voulez changer, par exemple, l'information qui se trouve au bas de page, ça se trouve là. Donc, si je clique là, je peux changer le texte ici. Et pareil pour le pied de page. Donc, je peux changer mes informations par rapport à l'adresse que j'ai là. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Et je pense que ça, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire lorsqu'il s'agit de la configuration de WordPress. Donc, la dernière chose que vous devez en faire remarquer, c'est que lorsque vous installez un design WordPress, parfois, ça n'a pas tous les éléments dont vous avez besoin pour la création d'un site. Et par conséquent, vous pourriez avoir besoin des plugins ou des extensions qui peuvent vous permettre d'extendre la fonctionnalité de votre site internet. Donc, un exemple simple, c'est quoi? C'est que présentement, sur ce site, il n'y a pas un formulaire de contact. Donc, si moi, j'aimerais afficher un formulaire de contact, ce que moi, je devrais faire, c'est aller installer une extension qui me permettra d'installer mon formulaire de contact. Donc, je peux, par exemple, venir ici. Une extension qui est assez populaire, c'est Contact Form 7. Donc, Contact Form 7. Et lorsque je vais trouver mon extension, c'est là. Je peux cliquer tout simplement sur Installer. Et lorsque je clique sur Installer, je peux activer. Et je vais dans ma configuration. Je clique sur Formulaire de contact. Et là, j'ai déjà un exemple de formulaire. Donc, il sera tout simplement question de copier le code coût et de le coller dans la page du contact qui m'intéresse. Donc, par exemple ici, je pourrais peut-être le coller là. Donc, si je colle là et je fais publier. Et si je vais sur mon site, vous voyez, là, j'ai un formulaire de contact. Donc, ça, c'est vraiment très simple à pratiquer. Et je pense que créer un site internet avec WordPress, c'est vraiment la chose la plus facile que vous pouvez faire. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez le temps de pratiquer et de vous exercer, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Et aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à partager avec d'autres pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Passez une excellente fin de journée.